récupérer des pépés, hein. C'est comme ça qu'on appelle les pièces de platine dans le métier. Tu peux gagner des pépés en accomplissant les pactes infernaux de Nicole ou en atteignant des étapes spéciales. Et on a créé tout un tas d'objets exclusifs pour ce jeu. Vas-y, achète-en un. Reviens nous voir quand tu voudras plus qu'on croit que c'est ta mère qui t'habille. On sera là. Reviens quand tu veux. Contemple nos marchandises. Sérieusement? Oui. Je veux dire, excellent choix. J'ai vu Stan lancer un sort carrément au-dessus de son niveau, ce tricheur. Salut, le nouveau. Tu peux en choisir une. Si jamais tu veux revoir une carte ou une règle à la con que tu as vue, viens me voir et je te montrerai. Et plus de vie, ce sera mieux. J'avais rien à voir avec tout ça. Alors, la table. Tout le monde a écouté l'explication de Monsieur Anki. Monsieur Anki ? Où ça ? Regarde nos marchandises ! Ah ! Et sans ça, c'est de la bonne ! Tu n'es pas encore prêt à détenir un tel pouvoir, hein ? Tu y reviendras ! Ah, d'accord, j'ai lancé l'amélioration du personnage. Stan, c'est un peu con. J'ai préparé un classeur dans lequel tu peux suivre toutes les cartes à la con et les améliorations qui sont utilisées dans le jeu. Non, tiens, jette un coup d'œil. Regarde toutes ces cartes. Reviens quand tu veux. Contemple les terres de Zaron. Des armes à profusion et puis des pouvoirs aussi. Tire ça à pile ou face, peut-être. Ça, ça va les anéantir. N'hésite pas à revenir si tu te fais botter le cul. L'âge magique de roi barbare peut abattre même les guerriers les plus puissants avec une seule attaque. Ceux qui espèrent s'opposer au chef des Marchmokers doivent réussir les épreuves de force s'ils ont l'intention de défier le barbare en combat. C'est une nouvelle règle, et on est tous d'accord pour dire, bah, qu'elle est cool. N'oublie pas, ces cartes sont des coups super cheatés que tu peux utiliser que pendant une durée limitée. Choisis-les avec soin. Tu vas nous affronter cette fois, Marchmoker ? Ouais, c'est ça, appelle-moi quand t'auras terminé les épreuves de force. Alors, qu'est-ce que vous avez, les gars? Matcha joli. Et des améliorations du bâton de sorcier. Tu crois que ce sera assez pour nous battre? N'oublie pas que tout ça, c'est de ta faute. Terre brûlée, recommencement. Aura de froid, voix à l'allié. Oh, c'est trop balèze. Alors, c'était pas mieux que de se disputer toute la journée? Alors, Butter s'est dit que si tu réussissais les mêmes épreuves que Stan, tu pourrais augmenter ta puissance. Alors bouge-toi le cul, nouveau. Les terres oubliées sont le royaume des sixièmes, enfin je veux dire, des grands trolls. On raconte qu'un jour le Marchwalker est entré dans l'antre des trolls et qu'il s'en est échappé avec leur trésor sacré. Bonne chance, le nouveau. Alors t'as juste à voler des conneries aux sixièmes puis à tirer? Pouah, ok, ils sont même forts. Quand même dommage que ce jeu est super lambda.
C'est juste du bouton mashing et basta quoi. Si nous avait mis plus de compétences, tout ça. J'aurais pas dit non. Ah oui, les textes les plus sacrés des six. Alors. Des magazines avec des gros. Hé, hey, toi, tu crois pouvoir voler nos magazines porno? Déchaînez la bête! Hein? Ce putain de CM1 pense qu'il peut nous chourer nos magazines porno? Qu'est-ce qu'il fout, putain? Oh merde, c'est des flammes! Oh putain, t'as tout foutu en l'air! Ils ont un putain de déneigeur de l'enfer de nouveau! Cours, 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 cours! Qu'aiment les flammes, le CM1? Ouais. Ah mais bouge plus. Si j'étais là, qui va se faire une tranche de CM1 bien grillée? Tu m'as fait mal. Cible repérée. Le nouveau est en... Cours, petit CM1, cours. Oh non. Allez, on se tire. Ah putain, ils ont une aura de glace, les mages. Tu vas me le payer. Elles ont tous une aura de glace, super. Explosif. Là, vous êtes en train de chier tous des explosifs. Ça vous apprendra à faire confiance à un sorcier. Gna, je t'ai fait saigner. Aïe. Aïe. C'est pas mal le ballon, j'aime bien. Oh, ils sont où les autres là? Joueur 1, tout va mieux maintenant? Ouais, oui, ça va mieux, t'inquiète. Ah là, non, je vais vomir! Et d'où je le touche pas? Soignons-nous vite fait. J'avais pas vu que j'avais fini. Ils veulent vraiment te tuer. Bouge-toi les miches. Bon bah je suppose que tu vas mourir ici. Oh zut, ça va me manquer de plus jouer avec toi le nouveau. Attends un peu, regarde ce gros aimant. On dirait qu'il est alimenté par ce générateur. Mais t'es touché. Ah sérieux, c'est quoi cette game? Ouf. Je m'en fous, j'ai mon bouclier. C'est juste une intuition, mais je crois que tu pourrais t'en sortir en allumant ce générateur. Je crois en toi, petit nouveau. Ah, oh, merde. Ou tu t'es juste fait péter
Ce gros aimant va pas s'allumer tout seul. Enfin, ce serait cool s'il le faisait, mais ce sera sans doute pas le cas. Ah non! On va lose! Tu devrais peut-être allumer ces générateurs, sans vouloir te brusquer. Ça va vraiment faire mal. Oh, les IRS sont teubés, bordel. Oh. J'ai pas compris. C'est juste une intuition, mais je crois que tu pourrais t'en sortir en allumant ces générateurs. Ah putain, Butters n'avait compris, il casse pas les couilles. C'était une mauvaise décision, le CM1. Ce gros aimant va pas s'allumer tout seul. Enfin, ce serait cool s'il le faisait, mais ce sera sans doute pas le cas. Allez, cassez-vous. Voilà. Il est où le dernier aimant ? Ah bordel ! Bordel ! Oh, joueur 1, ils ont failli t'avoir là ! Tu vas me le payer ! Ah mais sérieux, ils ont... Oh, c'est ce debuff de glace, il est immonde ! On va décorer ce légère avec vos squelettes de CM1. Ouf, ça a marché. Eh mais dis pas à Stat que je t'ai aidé, je pense qu'il ferait la gueule. J'ai réussi. Ouais, bouffez ça les sixièmes. T'as terminé une des épreuves de force. Encore une, et tu pourras botter le cul de Stan. Ouf, épreuve terminée. Maintenant, va faire un tour aux toilettes mobiles et pose cette pêche que tu retiens depuis tout à l'heure. T'as réussi à éviter de te faire broyer par ces sixièmes. Mm-hmm. Ah putain, je suis pour elle. Rien que pour toi. Ce sera notre petit secret. Hein? M'a chié dessus, là. Quelque chose qui te plaît. À bientôt. Allez. Sur ce champ de bataille sacrée, le marchemoqueur a allumé les grands bûchers de signalisation avec la flamme éternelle. Ton épreuve commence à Sonosopa, la demeure de la princesse Kenny vaincue. Stan a utilisé la flamme sacrée pour allumer... Alors va chercher du feu dans le garage de Kenny et utilise-le pour allumer ses bâtons. Il va falloir que tu trouves comment porter le feu. Avec ça, je suppose. Tout ce que t'as à faire, c'est de trouver une torche et d'allumer le... Oh! Tu te mets carrément le feu personnellement? Ah bah dis donc, c'est une façon de faire, je suppose. Waouh! J'ai carrément sous-estimé les pouvoirs magiques du nouveau. J'avais pas marcheur de feu sur ma carte de bingo. Le feu de croquet, le bûcher est allumé. Il nous en faut combien? Répands le feu autour de toi en allumant ses torches. Magne-toi! Tous, monseigneur. Oh, les poules! Tu vas pas rester longtemps en vie si tu continues à foncer dans des flèches, connard! Joueur 1, ça va? Je t'ai inquiet. Oh, cette glace, elle me rend fou! Je veux un jouet rigolo. Attendez, je suis en feu, mais bizarrement, ça change pas grand chose. Je me prends quand même le dot de froid, quoi. Bordel. Ok, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Le réservoir pourrait exploser.
continue comme ça. Reste combien là? Comment je monte du coup? Quoi ça sert de se bastonner en vrai? Hop. 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 Coupez-vous. T'as allumé un autre bûcher? Beau travail. Mon soin là! S'ils bloquent l'avant, tu les attaques par l'arrière. C'est pas sorcier. Ça fait mal, pas vrai? Je me sens attiré. Ah merde. Tu veux un jus de fruits pendant que t'es en bas? Non. J'ai pas pu le bloquer. Ouch. Wesh, ils sont où? Arrêtez de tomber! Elle dit, elle suit pas quoi! Allez, c'est reparti! Oh non! Je vais mourir. Hein. Oh, joueur 1, c'est pas passé loin. Bon, on va nettoyer un petit peu. Ah, j'en ai marre de ces mecs bouclés, sérieux. Mais attaquez! C'est stupide. Ça, je vais jouer bouclier à ce rythme, hein. C'est à voir. Loué soit le Christ. Encore un fichier animé. C'est quoi là? Je rêve ou tu viens de me frapper? Ce ballon est méchant. Aïe. Je veux avoir une nouvelle vie. Tu vas me le payer. Je vais te botter le cul et te prendre ton goûter. C'était une mauvaise décision, le CM1. Je suis mort. Je vais t'enfoncer cette poupée dans le cul. Impossible. Oh non. Chier. What? Oui, bien sûr! Je peux bouger un jour? Ah putain, j'ai fait. Oh! Oh d'accord. Génialissime. Vous aurez quand même pu mettre des murs invisibles pour vous empêcher de tomber, hein, les devs, hein. Allez, on remonte, hein. Le nouveau est en approche. Wow. Refusez. Ah. Hey, tu m'as fait saigner. C'est le but. Je te vois.
me poursuit. Aïe, ça fait mal. Okay. Galère pour les toucher quand il y a le ballon quand même. Bah, laissez-moi dire. Et... Mais j'en ai marre là, sérieux. D'où tu sors toi, dégage. Non. Quelle galère juste pour foutre un ballon là. Essaye encore pour voir. Tous les bûchers sont allumés. L'épreuve de force est maintenant terminée. Ta récompense se trouve dans la chambre des mystères parfumés. Il veut dire les toilettes mobiles de nouveau. T'as fait du super boulot là-bas. Et où ? Je suis mort. Maintenant que tu t'es bien réchauffé, qu'est-ce que tu dirais ? Tu es élu ! Tu le mérites ! Oh, quelle délicieuse matière sombre ! Alors, on peut pas s'améliorer pendant qu'on est en game, d'accord ? Excellente sélection. À la prochaine. Je serai là toute la semaine, en tout cas jusqu'à ce que l'école reprenne. T'as réussi. Dougie pensait pas que t'y arriverais, mais moi, je croyais en toi. Maintenant, va trouver Stan et pète-lui la gueule. Stan va regretter de m'avoir défié. Ouais. Et comment on y va ? Stan est au terrain de jeu. Il faut d'abord qu'on élimine ces sentinelles à l'intérieur du cinéma. Je peux pas leur tirer dessus. Eh bien sûr, ils ont un truc de glace, non c'est pas drôle. Vous voyez quelque chose, vous, les gens? Alors c'est donc ça, la mort. Ow. Éliminez-les, Marsh Walker. Ça me saoule, ces conneries. Wow. Allez, là! Oh là là, c'est juste un jeu, vous me balancez des bombes à la gueule! Ah non. Tu n'arrives pas à te débarrasser d'un seul putain d'archer. Tu peux peut-être trouver un pote qui peut le faire. Allez, mais touche. Planquez-vous. Ah, génial. Je suis sûr que quelqu'un va venir te chercher d'un moment à l'autre. C'est sacrément balèze pour laisser les gens te mettre des pains dans la gueule. Et ça, personne pourra jamais te l'enlever. C'est bon, je suis éliminé. Je pense que je vais tester mes épées boucliers après. À l'aide, j'ai besoin d'un pansement. Oh, quoi ? Pouf là-dedans.
greatest Canadian duo of all time is back. On va pas regarder parce que ça fait partie de l'animé, ça. Enfin, du dessin animé. C'est pour ça qu'ils l'ont mis à l'envers, en fait, d'ailleurs. Parce qu'ils ont pas forcément les droits. Moi aussi je vais mourir. Putain de froid de l'hiver. Alors c'est donc ça la mort. Et parfois j'appuie sur les gâchettes pour pouvoir activer les sorts mais ça les active pas quoi. On pouvait améliorer les cartes. On devrait les trouver. Putain, mais ils sont combien là? Et allez, une réanimation sur des ennemis de glace. Super. Ah, je vais pas kiffer là. Oh, je vais vraiment pas kiffer. Oh putain. Encore 3. Ça se trouve, l'image était à l'envers, je pense que c'était une salle de cinéma, quoi. Stan! On a pété la glace pour arriver jusqu'à Stan! Trouve un boulet de canon! Stan a des canons à l'intérieur des murs! Tu ferais mieux d'être prudent! Il me faut un boulet de canon! Cherche les boulets de canon et traîne-les jusqu'au canon! Là, tu pourras faire exploser la dernière ligne de défense de Stan! Je les tire. Encore quelques coups comme celui-là et tu pourras passer. Encore un coup et cette barrière va. Alors, était où la dernière boule? Semble l'avoir vu quelque part, mais ah là. Franchement, j'aurais préféré qu'ils mettent un système où est-ce qu'on a un deck prédéfini qu'on peut choisir, quoi. Mais avec plusieurs cartes, pas, avec plusieurs cartes, pas que deux, quoi. Regroupez-vous sur moi. Ouais, la barrière est tombée. Et maintenant, on va s'occuper de Stan. En avant, vers le terrain des jeux. C'est du papier toilette dans ta poche, ou t'es juste content de me voir? Ça m'a l'air plutôt pas mal. Bonne chance pour la suite de... Eh oui. T'es mort! Ah!
16 dégâts. Mais c'est quoi ce bordel? Puisque le nouveau a réussi l'épreuve de force, ta hache plus 10 est vachement moins efficace. Attends, le nouveau a aussi le pouvoir secret? Du coup, je suis plus super balèze? Ah! Alors c'est Cartman qui gagne? Pas tout à fait. Pourquoi tu n'utilises pas la base de combat classe 10 que t'as construite? Vous avez un dragon, bordel de merde! Ah ouais, c'est vrai? Ok, les nouveaux, préparez-vous à mourir! Y'a quoi? Il s'est planqué sur son dragon? Oh, il faut qu'on le fasse tomber! J'essaie de te sortir de là en racontant des conneries. Tu peux lui renvoyer ses boulets. Charge-les dans tes canons et allume-le. Attends, faut que je vise où? Ça va péter. Je vise sur les canons, oh. On peut pas comprendre. Rugissement en Brasil. Pauvre joueur 1, saute dans la neige moelleuse pour éteindre le feu. Il gagnera pas de nouveau. Tirer sur le bouclier de Stan. Et où son bouclier à la con? Les Marchwalkers sont invincibles. Oh putain, ça marche. Ah d'accord. C'est vraiment complètement débile de t'attaquer au Marchwalker. C'est pas de taille le nouveau. On a rien à foutre de ces conneries. Le boulet de canon a fissuré cette magie du dragon. Recommence jusqu'à ce que ça marche. Tu crois vraiment que tu peux gagner? Regarde cet endroit, regarde ce que j'ai construit. Bouffe de feu. T'as un peu construit de la merde, Stan, pour te dire. Aucun sens, j'ai terminé la quête. J'ai utilisé la matière sombre. J'en ai peut-être pas utilisé assez. Oulala. Esquive ça. Coup de hache. Je vais te découper en morceaux. Et en plus, il y a des ennemis. Oh, génial. Maintenant, le nouveau. Y a aucune chance que tu gagnes. Ouais, j'avoue, techniquement, y'a aucune chance, hein. Ouf, t'échapperas pas. C'est échappé à ça. Fais mon travail, c'est... On a besoin de guérisseurs, ici. Ah, merde. C'est une bombe aspirante. Et putain, mais... Je peux le taper un jour. Je fais mon travail, c'est tout. Là, j'ai pas touché, wesh! Passe alors, joueur 1! T'es trop balèze! Tu passes ton temps à guérir tes potes! Tiens, t'as gagné un autocollant pour ta gentillesse! Hein? Ah, tu battras pas! Je te laisse pendre! Quittez ma main! Ah, mais comment je suis supposé me défendre face à ces coups, quoi? On les voit même pas arriver, quoi! Eh, allez! Stan! Hey Stan! Stan, Dieu merci, tu vas bien! T'as pas idée de commencer dehors, ils sont tous fous! Ils se battent pour du papier toilette! Mais moi, j'ai trouvé des coffres qui en sont remplis un peu partout! Les gens les laissent dans des endroits cachés, mais faciles à trouver! Incroyable! J'ai aussi cassé la gueule de Stotch et je lui ai pris son papier toilette! On va être riche, Stan! Pas maintenant, papa, je dois vaincre mes ennemis! Des ennemis? Donc, si vous perdez, ils peuvent prendre notre papier toilette? Bah oui, je crois! Ouais, ce sont les règles. Oh merde, pas question qu'ils touchent à notre papier toilette. Est-ce qu'un papa guerrier de niveau 5 peut rejoindre l'assaut d'une base de classe 10? Bah, pourquoi pas, bien sûr. Quoi? Ah, cette hache va te découper. Attendez, quoi? Lancer deux haches de niveau 10. Ah ouais, les enfants sont implacables. Comment ça, un papa peut rejoindre... Qu'est-ce qui est ta vie pour le papier toilette? Raconterai la légende de ta bravoure.
Maintenant, mon fils, combat jusqu'à la fin. Combat pour le paquet de 64 rouleaux extra doux. Pastico. Abandonne maintenant le nouveau. Ça fait quoi, ça? Tu t'y prends mal, papa. Je devrais attendre ma mort pour m'arracher. Papa, ferme-le. Waouh, ouais, bah dis donc, il y en a eu des morts là. Je vais te découper en morceaux. Ah merde. Putain, mais zéro moyen de te défendre quoi. J'arrive. Je peux à peine lui mettre un coup et après c'est terminé quoi. Je te laisserai pas faire. Genre. Vous approchez pas de mon fils. Arrête papa. Putain, esquive ça. Ça, c'est bon garçon. Avec la hache. Et le scribonnet ridicule, ça, c'est ton garçon. Papa, rentre à la maison. En l'honneur de tous les marchwalkers. Vas-y, mon fils. Tiens, prends ça. Vas-y, attaque un autre. Ça m'arrange. Pitié, faites ce que vous voudrez de Stan. Mais touchez pas au papier toilette! J'allais être riche! Ah, on a débloqué la grande hache! Allez! On va pouvoir s'upgrade. Alors, wow, je vois un. Ça fait une tonne de matière sombre. Vraiment impressionnant. C'est terminé, Stan. Avoue ce que... C'est pas moi. Si, c'est toi, Stan. Pourquoi t'as pas respecté les mêmes règles que tout le monde? Parce que ma version des règles fonctionne. Ce que vous faites, vous, ça n'a aucun sens. Les bonus vont avec certaines compétences. Alors c'est pour ça que t'es devenu un gros connard? Ah, je suis un connard parce que j'ai défendu mes convictions. Avoir des améliorations à chaque niveau, c'est déroutant. On t'a battu, Stan. Maintenant, selon les règles, tu dois suivre nos règles. Ouais, alors arrête ce sort divers sans fin avant que d'autres personnes soient blessées. De quoi tu parles? Arrête, Stan. On sait que cette tempête est pas naturelle. Quelqu'un fait de la magie. Tu penses vraiment que je ferais exprès de provoquer une tempête qui tue des gens et bloque la ville? Ces derniers temps, ouais. Qu'est-ce qui t'a pris de retourner ton aggro contre nous? J'en sais rien, ok? Je sais pas. Je crois que... Depuis que Monsieur Anki m'a filé cette matière sombre, je me sens genre différent et... Qu'est-ce que t'as dit? Monsieur Anki m'a filé cette matière sombre pour ma hache et je me suis senti si puissant que j'ai cru... Monsieur Anki? Le petit caca Noël? Ouais. Oh mon Dieu! C'est peut-être ça. Ça pourrait être quoi? Vous vous souvenez pas? Monsieur Anki a été chassé de la ville par tous les habitants. Tout le monde s'est retourné contre lui. Monsieur Anki se bourrait la gueule et tweetait des trucs. Oh, allez, c'était une blague. Monsieur Anki, arrêtez. Et un jour, toute la ville l'a banni. On n'a plus de nouvelles depuis. Si quelqu'un voulait du mal à cette ville, ce serait bien lui. T'as accepté les cadeaux maléfiques de Monsieur Anki sans le dire à personne, Stan? T'es con, quoi? Les gars, je suis désolé. Je crois qu'il faut qu'on trouve Monsieur Anki et qu'on l'arrête. Par les couilles de Zaron, on va anéantir ses pouvoirs sombres. Comme ça, on arrêtera cette horrible tempête. Et tous les magasins pourront enfin rouvrir. Ouais. Les gens arrêteront de se battre pour du papier toilette et iront bosser. Grave. Ouais, et nous, on pourra tous retourner à l'école. Ouais, on pourra retourner à... Retourner à... l'école. Continuez. On n'a plus rien. On n'a plus rien. Je pense que ça va pas bien se terminer, Ned. Zandek. Excusez-moi. Quelqu'un veut un chocolat chaud? Du délicieux chocolat chaud gratuit. La boisson préférée des enfants en hiver. Vous êtes fatigué, affamé et gelé? Ça vous aidera à passer la nuit? Père Maxi, voulez-vous un chocolat chaud? Je suppose qu'un petit chocolat chaud avant la fin du monde, ça ne peut pas faire de mal. Il fait froid. Je vais prendre un chocolat chaud. Je vais en prendre un aussi. Avec des marshmallows. Oh oh. Jamais je retournerai à l'école. Et tu n'auras jamais à le faire, Eric. Cool. Entre ici et décharge cette matière sombre.
Ah, c'était obligé. Ah, puissant guerrier. T'as beaucoup de matière sombre. Tant de potentiel inexploité. En fait, il y a rien qui augmente. Oh, c'est pas ouf, hein. Ah, c'est vraiment pas ouf, hein. Oh mec, celui-là est vraiment beau. Hey, on va prendre l'achat demain. Je serai avec toi pour toujours. On vend des vêtements de qualité. Ah, vous êtes déjà une meilleure arme. Attendez. Vous n'allez pas me dire qu'il y avait des combos d'armes avec les couteaux quand même. L'ancien monsieur Anki me ment. L'ancien monsieur Anki n'existe plus, mais... Ah, si. Bon. Pas grave, de toute façon, ça change pas grand chose, hein. Le gameplay est vraiment... Maintenant, simpliste. Choisissons maintenant qui... Putain, on a déjà presque fini le jeu, les gens. J'ai des armes ici. Le feu, c'est toujours une bonne idée. Ah oui, c'est putain de mieux. Hein ? Maintenant que le véritable ennemi de South Park a été révélé, humains et elfes doivent unir leurs forces pour arrêter Monsieur Anki. Les jours de neige, c'est génial, mais ils ne peuvent pas durer éternellement. L'heure est venue de mettre un terme à cet hiver sans fin. Y'a personne. Tant pis, choisis tes cartes. Il faut un max de cartes à la con pour vaincre M. Anki. Non, c'est vraiment pas très orthodoxe, mais bon, d'accord. Bon bah, je sais pas combien de temps on va pouvoir attendre que notre équipe arrive. Oui, c'est très étrange. Où pourrait bien être l'ennemi? Allez, montrez-moi ça. Oh ouais, c'est trop bien. Oh cool. Excellent choix. On est sûr de gagner maintenant. Alors, ce jour de neige sera enfin terminé et on pourra retourner à l'école. Ah ah ! Surprise ! Si tu veux atteindre M. Anki, tu vas devoir me passer sur le corps. Mais bordel, Cartman, qu'est-ce que tu fous ? Je vis enfin la vie dont j'ai toujours rêvé, Kyle. Une vie sans aller à l'école. M. Anki est en train de démolir South Park, on peut pas le laisser faire ça. T'inquiète, t'as plus très longtemps à vivre de toute façon. Monsieur Anki m'a donné la puissance de la magie sombre et je vais l'utiliser pour tous vous détruire! Désolé, nouveau, je suis grave en train de te trahir. Mais bon, t'aurais quand même pu le voir venir. Contemplez la puissance du grand sorcier! On a des vampires! Je te découpe! Je te gèle le cul! Touche-moi les couilles! Avec mon armée, quand on aura le pouvoir, on n'ira plus jamais à l'école! Vous devriez me remercier! Je savais que Cartman préparait quelque chose. Il faut l'arrêter! Non, je peux pas voir mes potes avec moi. C'est une histoire qui me plaît pas. Mais bon, faut respecter la procédure. Bordel, tout le monde est passé dans l'équipe d'Eric. Regarde leurs yeux, Cartman les a défoncés à la matière sombre. De la matière sombre? Oh, ça c'est de la merde. Surveille les toits, il y a des snipers de glace. C'est impossible, les règles interdisent la magie de glace. Tu comprends pas? Cartman enfreint les règles. Ah ben, c'est pas juste. Joueur 1, arrête le saignement. Oh putain. Soigne-toi. Cartman doit
forcément être ici quelque part. Continue à chercher le nouveau. Venez m'aider, bordel! Putain, je suis littéralement à côté de vous. Allez, viens, couillon! Non mais c'est une blague là. Oh c'est une blague là. T'as vu les dégâts qu'il m'inflige? Pic de difficulté qui augmente là sur la fin. Fais attention aux archers quand tu joues dans la boule, Novo. Comment on va les avoir, les archers? Et où le dernier? Hein? Au début du jeu il était sympa, mais là c'est un petit peu de l'abus, hein. Les dégâts de coups furieux, ils mettent du saignement. Allez, vas-y, c'est Noël. J'ai rien dit en fait, le lance-flamme c'est pas ouf. Putain, mais la guerre juste pour tuer un ennemi quoi. Allez, cassez-vous là. Ah, j'en ai marre de ce debuff de glace de merde. Bon.
Ouais, franchement pas ouf, un jeu. En tout cas en solo, ça c'est sûr. Je crois qu'ils ont peut-être voulu faire différent par rapport à Ubisoft, mais quand même. Trouver un chemin à travers le jardin. Ah, salut. Obscurité. La matière sombre, très gothique. Les anciens Égyptiens savaient qu'ils devaient se fier au cœur des cartes. Ah, sa mère. Arrête. Où est-ce que je trouve le boulet de canon? Lève-la. Et je monte comment du coup? Me tirer sur quoi en fait? Vous êtes pas sérieux, on va pas devoir faire super chier avec tous les boulets de canon quand même. Parce que j'ai pété là-bas en vrai. L'armée de Cartman est complètement couverte de matière sombre. Ah bordel. Impossible de savoir à quel point ils sont balèzes. Ils ont réussi à me taper. Pauvre joueur 1, tu peux faire tout ce que tu veux en bas. Enfin, sauf continuer à jouer, hein. Ça, c'est interdit. Mais arrêtez de vous barrer! Non! Restez! Vous vous rendez compte, il me faisait des dégâts pendant que j'étais en mode tourbillon, quoi. Allez, j'en ai marre. Hop. Ce monde est en flamme et mes démons sont affamés. Oh, joueur 1, ils ont failli t'avoir là. Mais stop!
Ah, je leur fais pas de dégâts, eux, ils me font presque le double, quoi. Sérieux, j'ai un putain de hache de stun, là. Pourquoi je galère? Allez, quoi, au moment où je mets montre. Où ces couillons, là? Ah, sérieux, pire IA ever, là. Soit un, si tu meurs tout le temps, ça permet juste à d'autres personnes d'avoir le plaisir de te récupérer, tu sais. Quoi? Et en plus, j'arrive pas à distinguer mes alliés de mes ennemis, quoi. Ça m'énerve. Et lance! Ah oui! D'accord, ils sont tous morts. Ouais, ils ont fait pour tous mourir. Ah, j'en ai marre. Franchement, si vous le faites, jouez avec des vrais joueurs, hein. Jouez pas avec des IA. Et vas-y, l'IA qui m'abandonne, elle est juste là, elle pourrait faire 2 mètres pour venir me sauver, mais non, rien se peut. Mais regardez ça, j'ai pris 2 flèches, je suis quasi mort! Essayez même pas de me résister, les gars! Vous jouez selon mes règles, ma... Putain, j'aurais dû jouer bouclier là! Et voilà, putain! Putain, j'aurais dû remettre le bouclier énergétique là! Pour régler tous mes problèmes, quoi! Et encore, je suis même pas sûr. Ah, meurs pas, mais putain! Mais reviens ici, couillon! Allez, 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 allez! Ah non, oh putain, ils vont mourir, oh, ils vont mourir, oh, ils vont mourir! Voilà, allez, allez! Putain, il reste un cul là! Ah, punaise. Oh, sérieux. Mais regardez! On fait les sauts partout, hop, on fait dans ce saut, on jump, voilà, parfait. Psst. Moi, donnez-moi un moyen de me heal plus souvent, quoi. Oh, que quelqu'un va venir te chercher d'un moment à l'autre. Là, il en reste qu'un seul. Ah, bon, on va voir ce qui va se passer quand on crève. Putain, c'est quoi ce pic de difficulté? Il faut attendre longtemps, hein, je vous préviens. Hein. Ah,
Allez, mais crève l'IA, là, allez. Oh non, me dites pas qu'on doit recommencer intégralement si on peur. Me dites pas qu'on doit recommencer intégralement. Oh ! On n'a pas droit à l'échec ! L'ancien monsieur Anki. Ouh, ça va me foutre le seum, ça. L'ancien monsieur Anki existe plus, mec. Bon, c'est pas grave, je vais m'arrêter ici. Pour ce nouvel épisode. Allez, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Pour ce rock'n'roll, n'oubliez pas d'avoir la... Oui, attitude. Comme des choucus. Vos cachorsons vous considérez avec ce dicton. Je vous laisse. Je vous fais un coup de partout. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye, bouti bouti. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Peace.